J'ai fait un rêve trop magnifique cette nuit, genre trop 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 bien. Alors, bon, le début c'était pas ouf. J'ai rêvé, je sais pas, j'étais avec Paul Alexis, j'étais dans une pension et en gros, je devais aller voir Yung Lee en concert, mais en fait, on partait en avion et moi j'avais oublié que c'était ce jour-là. Et du coup, en fait, j'étais pas bien habillée, j'étais même mal habillée. Et genre, je portais une tenue de travail. De chez Pablo là. Et du coup, bah, ça m'a. J'étais trop triste. Parce que j'avais acheté un outfit exprès pour Yonglin et je l'avais pas mis. Et voilà. Par contre, mon deuxième rêve, c'était genre fantastique. On était. Mais je crois que c'était dans la continuité en fait, mais je sais pas. Bref, après, on était dans une immense maison. Genre. En mode. Enfin, comme. En fait, oui, ça ressemblait à Strasbourg et Angoulême en même temps. Enfin, je sais pas. C'était une vieille ville, mais la maison, elle était vraiment genre modèle. Enfin, une maison alsacienne. Et c'était trop, trop beau. En bois partout. Et genre. Enfin, je sais pas, c'était trop chaleureux. On était tous là. Il y avait une fondue. Il y avait un feu dans la cheminée. C'était l'hiver, mais on portait tous des pulls de Noël. On était tous heureux. On s'aimait tous. Mais je sais pas. En fait, il y avait. Je sais qu'il y avait Lily, Lulu, Irina. Pas Baptiste, mais il y avait Paul Alexis. Mais genre, enfin, je crois pas en fait. Non, c'était un autre mec. Enfin, bref, il y avait aussi des mecs qu'on connaissait pas, mais c'était nos enfin, que je connais pas là, mais c'était nos bestas de la vie. Genre, trop trop potes. Et il y avait aussi Hugues, il y avait mais Cabion, il y avait plein d'Oiti. Et on était dans cette maison d'hiver chaleureuse et tout, et c'était trop bien. Et en fait, du coup, on faisait la fête. Et on était un peu bourrés, genre vraiment pas mal bourrés. Et on décidait d'aller dehors. Et en fait, là, dehors, j'ai croisé Jeanne Verdun, genre ma voisine du dessus. Et elle était bourrée. Et là, je suis genre, non, mais viens, meuf, on va parler. Et en fait, j'allais chez elle. Et chez elle, c'était trop bien. Et oui, la soirée, c'était genre une espèce de gros secret warehouse. Et genre, il y avait une barrière. Et les amis de Jeanne étaient genre d'un côté. Et Jeanne était de l'autre côté de cette barrière. Jeanne, pardon. Jeanne depuis le début. Et Jeanne était de l'autre côté de cette barrière. Et du coup, elle dit oui, bah, bon, viens, on va parler. Et on parlait, genre on se faisait un câlin, et on se disait qu'on s'aimait. Et genre, je lui disais oui, bah, ouais, quand je suis arrivée au lycée, j'ai changé vénère. Et puis, genre, à un moment, genre, je sais pas, genre, j'ai commencé à traîner plus avec Levana et tout. Et genre, ça me ressemblait pas. J'étais grave une petite meuf et tout. Et genre, je sais pas, après, dans la continuité, on a commencé à pas se parler. Et du coup, bah. Bah, je sais pas. Je m'ai arrêté de parler à cause de ça. Tu vois, parce que du coup, après, je n'osais pas t'envoyer de message en mode, ouais, tu fais quoi alors que ça faisait trop longtemps. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Elle disait, ouais, je comprends, je t'aime, c'est pas grave. Et voilà. On se faisait des câlins et on s'aimait. On se parlait tout le temps sur Facebook. Et après, genre, je retournais voir mes copains dans la Secret Warehouse et on faisait la méga teuf et tout. Et après, on était re dans la maison et genre, enfin, on était bourrés dans mon rêve, mais genre, c'était pas en mode genre, je sais pas comment dire. Genre, je me sentais pas bourrée en mode, enfin, les rêves où je suis bourrée, où je vois des trucs bizarres, c'était juste genre, je sais pas, pas trop non plus. Et en fait, il y a quelqu'un, du coup, genre, le mec chez qui on était, qui était genre un de nos bestas, mais en fait, je le connais pas, je sais pas qui c'est. C'était un blond. Il fait genre, ouais, venez les gars, on va dehors et tout. Et genre, du coup, bah. J'ai décidé de mettre tous plein de vêtements parce qu'il faisait super froid. Genre, je mettais vraiment plein, plein, plein de vêtements. Et en fait, genre, on s'était engueulés parce que, genre, il voulait pas qu'on mette un de ces pulls que j'avais au début mais que j'enlevais pour sortir. Et genre, je l'avais. Et genre, je crois qu'il y avait une engueulade à cause de ça, mais genre, vraiment un petit truc ridicule. Et genre, du coup, on sortait dehors. Et on commençait à marcher et tout, et genre c'était en mode Angoulême, il faisait encore nuit, on allait dans les bars, il y avait plein de gens. Et à un moment, je sais pas pourquoi, genre on se met tous en ligne, on commence à se tenir par les mains, comme ça. Et genre il faisait jour, et on se met tous à courir en gueulant, genre ouais! Et genre pendant des heures, hein, on s'arrêtait pas, on décidait d'aller à la campagne, et genre vraiment, on courait. Ouais, en se tenant la main, et c'était trop magnifique, quand même, dans mon rêve. Et moi, je touchais pas le sol, genre, c'était le mec d'à côté, enfin, les deux mecs d'à côté qui me faisaient voler, genre, c'était trop magnifique.
Et il se passait plein de trucs pendant qu'on courait, genre. Juste en cul sur un mec, et genre, Lily, elle voulait lui tenir la main, et du coup, elle me faisait des signes, genre, je la pas. Et moi, j'étais genre, oui, vas-y, t'inquiète, ça, je t'en foutrais pas. Et genre, c'était super marrant. Et après, elle me faisait des signes, genre, il t'aime bien. Et j'étais genre, ok. Et après, en fait, genre, Lily, elle était amoureuse du mec que moi, je tenais par la main. Et du coup, genre, je disais, mais toujours en chuchotant, je sais pas pourquoi, je me faisais genre, ouais, t'aimes bien, Lily. Alors que tout le monde gueulait, genre, moi, je chuchotais. Genre, bref, c'était trop bizarre. Et un moment, je sais pas pourquoi, on décide de s'arrêter, mais genre en plein milieu d'une côte, et on va s'asseoir dans un petit parc, et du coup on s'arrête tous, parce qu'on était fatigués, je pense. Et genre, je sais pas, et je parle, Lulu, on était tous en rond, et Lulu, elle était en face de moi, et on se parlait en langage des signes, mais on se comprenait trop trop bien, genre c'était la compréhension parfaite. Et là, genre, c'était le truc le plus drôle. En fait, on était là, on discutait, et on mangeait. Ah ouais, on mangeait du pain qui était trop bon, genre c'était un pain immense et tout le monde en mangeait et tout le monde était genre heureux d'en manger. Et ça faisait genre, je sais pas, 15 minutes qu'on était assis là. Et il y a un mec qui passe en courant. Genre, un de nos potes trop à la traîne. Qui nous cherchait et du coup on le regardait passer, on disait rien. Et après on rigolait sans s'arrêter pendant des heures. Voilà, c'était trop bien. Ouais.